Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les envoya sa parole. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Ce n'est pas de vaine de délivrance. Ça la chaîne de prière. Tu seras en contact avec des divinités qui vont pouvoir détruire ta vie. Les enfants de Dieu, il faut faire attention. Voilà pourquoi je suis en train de pouvoir parler du discernement des esprits. Ce n'est que la parole de Dieu. C'est fini. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut délivrer. Dieu s'en. Après cette femme-là, aujourd'hui peut-être elle s'est convertie. Aujourd'hui, très rapidement, comment les mission. Je te parlais tout à l'heure du brisement. Tu dois caméra, je te parlais du point spirituel. Avant les gars, ma cambon, zambé faut travailler en secret. Et ça, t'es au bon ami Lélo directement, tu commences à passer dans la banzela. Ils ont la qui s'habille son zélam, ils ont la qui s'habille son balamoro. Nana, faut faire attention. Diable est pas à salara barisa, benga à salara soi-disant. Moutoumora bongoli moutema, or, les espions naïe. Babenga bongo, ce sont des espions. Il y a diable. Faut faire attention, donc il y a à boire et à manger. Yon dit ma conversion, ma ex dans CZT, bon, ma pasteur Lélo. Les peuples. Les camps de Dieu pour peupler son camp. Non, il faut faire attention avec tous ces gens-là. La Bible dit, ce sont les loups dévoreurs. Balati va soutani, va changer, va voir na bango, va voir comme une roi féminine. Mais ce sont des loups dévoreurs. Il faut faire attention avec ces gens-là. Voilà pourquoi ils sont dans toutes les pratiques, dans le pédérasme, dans le lesbianisme. Donc, ils sont dans toutes ces choses-là. Effectivement, Ndeko Jérémy, je t'ai dit que monde diable a tellement risé que tu ne peux pas. Bisoba en Nzambe, nous faisons toutes choses par la foi. Nous croyons tout simplement. Voilà pourquoi je t'ai évoqué cette écriture. Donc, errer celui qui a crié sans avoir vie. Biso Zarabon, les enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Là, maintenant, cet homme-là que tu es en train de pouvoir courir derrière lui pour chercher la bénédiction, qu'est-ce qu'il peut te donner? Donner Bangunza Batarabasaki, Bamayaka. Ce qu'il a, les Bayaka là et toutes ces histoires-là. Et bon, tout le monde dit que Jérémy. Ça va transmettre mon tout bénédiction. Ah, parce que ça va m'aider à ce que tu as évoqué tout à l'heure. C'est biblique, c'est spirituel. La Bible dit que c'est le spirituel qui influence le physique. Lui, je le sais, il a à connaître qui peut-être alliance soit ça qui dans Zambie. Moi, je ne suis pas là pour on a bêta ramaramunaie. Lui, un jour, je sais pas. Et c'est lui, oh, bêta, je sais pas. Chacun fait la mission qu'elle est. Mais il a existé avant vous un grand homme de Dieu qui mangou. Ndeko Jérémy, dans cette histoire dédiée, il y a ce qu'on appelle la spécificité de la mission et la spécificité du message. Chacun reçoit sa mission de la part de Dieu. Moi, je ne suis pas ici pour parler de ces genres. Donc, c'est un peu ça. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs, chers amis, téléspectateurs. Vous nous regardez de partout à travers les globes terrestres. Merci pour votre fidélité. Devant vous, c'est bien sûr Jérémy Louembalé, Renard du désert. Clin d'œil spécial à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Nous sommes là avec un serviteur de Dieu. Lui, c'est le pasteur David. Il est venu nous rendre visite. Ça fait un bon moment. Pasteur David, bonjour. Bonjour, Ndeko Jérémy. Bonjour. Voilà, nous sommes contents d'être avec vous. Hein. Bonne santé, bonne activité ecclésiastique. Ça va, Jérémy. Santé, le Seigneur nous fait grâce. Donc, y compris la santé ecclésiastique, ça va bien. Ça va bien. Voilà, rappelez Bandeko, vous êtes visionnaire de quelle église et puis l'église, elle est située dans quel coin de la capitale? Oui, je l'ai toujours dit. Je suis, comme Jérémy l'a dit, pasteur David Sancy, visionnaire à l'église Mission Évangélique Béré, c'est référent au quartier Bomba, précisément, au quartier Sangamamba, à l'Ipen, sur le commune à l'Ipen, à Rompo, à Marine, aux Umutoukoué, qui est à Sangamamba, à Ngolomingi. C'est où il y a un terrain qu'on appelle terrain Moléka. Nous sommes sur l'avenue Ngamikabi numéro 1. C'est notre parcelle d'ailleurs. C'est là où se retrouve l'église, en fait. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que Bandekoba, tu as l'habitude de partout. Il faut pas découvrir paix, connaissance, Nayo. Et ça, tribunal témoin, on va essayer de poser toutes les questions possibles pour que tout au moins éclairage par rapport à tout ce qui nous entoure. D'abord, aux alliés chrétiens, est-ce qu'on dit la mafuta pour comment mingi na ba pratique na l'église, mafuta, huile d'olive et tout ça, est-ce que vous croyez à cela?
Mais ma foot, c'est pas mal totalement, mais bah les arama bemingi ceux qui bah inséré l'eau au musulman quasi parce que bah biloko wana bah pratique y a bah ma foot y a bah mai souvent bah tu bah comment qu'on inséré bah esprit musulman quasi wana ils ont accompagné bah biloko wana donc on a profité hein. Faut être prudent parce que derrière toutes ces choses là y a beaucoup à dire hein. Ma foot est là on m'a bête livre Jacques ils ont le bel abysse on a tiré ma foot c'est pas mal car quelqu'un est malade beaucoup imposé beaucoup parolé ma foot c'est pas mal mais aujourd'hui il faut faire attention soit commis pratique mon recommis le col habitué chaque fois mutu izaga ma foot abo ça la ma foot tcha ma foot na ndaku ba parolo ma foot faut faire attention donc ce commis pratique mon habitué je l'ai dit tout à l'heure faut faire attention on est commis idolâtrie on a regard mususu comme tu l'as dit ndeko Jérémy pourtant là on a regard mususu donc ça fait ça voilà les choses amingiza maramotali mayankamba babezo bikola ezo délivrer batou prévenir qu'il y a un grand catcheur un grand féticheur et dingwe Arenego sur le lama Kamba Amélie Ango et tout ça et a ebisi biso que en tout cas il est changé il est makambo tout ça est-ce que bah telle chose bino peu pasteur ça vous fait quand même du bien Nero Jérémy dit sans dire de la parole Jean chapitre 1 verset 1 la Bible dit au commencement était la parole la parole était Dieu la parole était avec Dieu sur cette parole là toute chose a été faite voilà veut dire Dieu sans dire de la parole veut dire si tu veux voir Dieu tu n'as pas à aller courir derrière Maïmoro quelconque, qui ne veut courir derrière un prophète quelconque qui se dit qu'il est dans un Zambé. Veut dire, tu n'as qu'à vérifier dans la Bible, c'est de là, c'est dans la Bible que tu vas voir ton Dieu. Dieu, c'est un Dieu invisible, mais visible par la foi. La foi se retrouve tout simplement dans la Bible, là où Dieu a tout donné comme ordonnance, là où Dieu s'est déclaré, là où Dieu se démontre. Et Zaka n'a qu'à sa Bible. Dans la Bible est le livre de la prophétie par excellence, là où tu ne peux que voir Dieu. Donc, bako sabatoute ko kende ko plonger na maimo quelconque to ndero mona nzambe. Non. Prends la Bible, il a dit sur Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Veut dire, ce n'est que par ce livre de la loi par excellence qui est la Bible que tu ne peux voir Dieu. Mais il y a plusieurs Bibles aussi, papa. Moi, quand j'ai la Bible à Jérusalem, mais à rouge, boy, tout ça. Faut faire attention, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de doctrines. Hein? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits te pousse à comprendre qui est celui qui se retrouve au devant de toi. Quel est cet esprit qui est en train de pouvoir animer la personne qui est en train de pouvoir partager avec toi? Je veux dire, c'est au travers de ce discernement des esprits. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement des esprits. Oye ba muto azo solana ngai aza temple nini. Mutu musu ba rotinde loye. Diable azana ba brise belé pour na roule de faire dérouter muto. Voilà pourquoi faut être prudent. La Bible nous dit compris d'être prudent comme les enfants de Dieu car nous sommes entourés de loups. Voilà. Nous sommes entourés de loups mais ma en kamba yo c'est le connaître au douter na puissance nango. Mais tout monde a rabaté belé ba zo lobiko kuna et comment le voir référence. Ceux qui n'ont pas niveau basi, basan à Jourdain, mais chez nous c'est les mains en camba. Contrairement à bino basté, vous pouvez savoir de baptême, na maya kalamu, na mayo yanjili, maya yankamba c'est mieux que ça. Ndeko Jérémy, le diable c'est un copieur comme dit la Bible. C'est un copieur. Ah, voilà, c'est un copieur. Veut dire, il a toujours à vouloir toujours que ça la makambu, nzamba ça la mais de manière un peu frauduleuse, tu vois. Veut dire c'est le père du mensonge, tu vois. Donc faut faire attention. Aujourd'hui naba école de mystère nionso miracle ça la marana. On sait que naba un cancar, naba rose croix, naba franc-maçon, bah ça rappelle miracle. Bah ça rappelle prophétie. Ça rappelle prophétie parce que un vrai sorcier sera coûté na yo akoyé ba vie na yo mobimba. Un vrai sorcier. Tu vois? Akoyé ba même combo na yo. Un vrai marabout, tu vois, parce qu'il y a la magie noire et la magie blanche, tu vois. Magie noire, c'est la magie oyo, mingi ba to mwindu ba salak ba salela ba benga ngo magie moya basse classe. Au moins mutu azala vie moro tellement vie moro ya pas si na niveau moro mais c'est un sorcier. Alokara bato.
Il y a des gens qui sont misérables. La magie noire, mais aussi la magie blanche, dont j'ai évoqué tout à l'heure, l'école des mystères et Zarazarawana. Donc, tu verras que Moutoumo Boy a la vie assise, mais il y a des pratiques mystiques. Il y a des gens derrière Bananae, Bananae, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui sont folles. Tu vois, tout ça, ça existe. Donc, il faut faire attention, il faut regarder toutes ces choses-là. Il faut écouter. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans l'église, comme pasteur David, je crois que nous sommes en train d'évoluer lentement et sûrement. Vous aurez peut-être reçu la délivrance dans l'église. Jérémie, la délivrance ne peut se référer que par la Bible, je te dis tout à l'heure. Oui, effectivement, parce que la Bible dit que Jésus-Christ avait trouvé une femme qui a survécu dans une église au moins durant 18 ans. Et cette femme-là avait une vie courbée. La Bible dit que Jésus-Christ avait envoyé sa parole sur cette femme-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ il pouvait gronder les sacrificateurs de cette église-là. Il pouvait leur taxer de l'hypocrisie. Bibinomo qui parabadimba offrande. Bozo mon avis à moi na moi si était ça courbé durant 18 ans mazarana katse église. La Bible dit Jésus-Christ envoya sa parole sur cette femme-là. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les envoya sa parole. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Ce n'est pas de vaine de délivrance. Tu seras en contact avec des divinités qui vont pouvoir détruire ta vie. Les enfants de Dieu, il faut faire attention. Voilà pourquoi je suis en train de pouvoir parler du discernement des esprits. Ce n'est que la parole de Dieu. C'est fini. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut délivrer. Dieu, c'est un Dieu de la parole. Si tu veux voir Dieu, mon ami, cherche la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont beaucoup plus pressés. Bato baza lomango mingi. Balingi ko demere te ko vanda na kati église. A demere alo bara amen, amen. Vanda na église bate ya yo bara amen, amen. Afin que tu sois brisé. Bato mingi bamona ngolo roi humiliation. Mon ami, tu ne peux pas être élevé si tu n'honores pas celui qui est établi par Dieu. Voilà pourquoi les Écritures nous disent Marc chapitre 6 verset 1 à 6. Matthieu chapitre 23 Verset 37 à 39. La Bible est en train de nous parler de Jérusalem. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapidais mes prophètes, toi qui lapidais mes envoyés, voici je voulais rassembler ta ville comme une poule rassemble ses poussins. Mais c'est parce que tu lapidais mes envoyés, c'est parce que tu lapidais mes prophètes. Voici ta ville te restera déserte jusqu'à ce que tu dises bien-aimé, bienvenue à celui qui parle de la part du Seigneur. La Bible dit, y compris que il dit sur Nazareth que Jésus-Christ bazaro méprisé. Bon, le batala moi na Marie, ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Son père n'est-il pas un charpentier? Maman na Marie, bon méprisé, bon dit maété. Il ne pouvait là faire aucun miracle ya makasi. S'il ne s'agit qu'à brandir qu'on imposait moi quelques mains, bato babi gana malade ya mike. Mais un miracle makasi on osa la honte parce que bazo n'aurait été. Fait dire miracle ça la marité que ton est réalité. Faut d'abord commencer par honorer l'homme de Dieu. Kotombo la moto dans Zambé. Donc c'est obligatoire. Ils ont recommandation. Recommandation spirituelle. Dobino bolingi honneur Moussa dans Zambé, le roi demi dieu. Moi je veux pas parler de l'honneur, c'est différent. Oui, effectivement, l'honneur ça fait partie honorer un homme de Dieu. Tu vois, la Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui habite en moi. Veut dire Yesu kati na mutu oyo azokamba bino. La Bible dit confirme la parole de ce serviteur, il est derrière la parole de ce serviteur pour l'accomplir. Veut dire tu dois honorer celui qui est en train de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je veux parler des trois éléments qui nous met en contact avec le monde spirituel. Vas-y. Il y a ce qu'on appelle le sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui est établi par Dieu pour te mettre en contact avec le monde spirituel, avec ton Dieu. C'est celui qu'on appelle le sacrificateur. Tozana nganga nzambe ya solo, tozapena ba nganga ya mokili oyo. Azape sacrificateur, ya satana. Il y a deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire. Veut dire sanctuaire des mères oyo sika tokutana. L'église c'est le sanctuaire. Nganga nzambe pezali sanctuaire et nganga ya nini, ya diabolo.
banganga o babenga o banganga ba temple voilà babenga bango veut dire bazape ba sacrificateur ya diabolo. Il y a troisième élément, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Ça a une importance très capitale. Donc voici les trois choses qui nous mettent en contact avec le monde spirituel. Les sacrifices. Ces trois choses-là doivent exister pour parler du monde spirituel. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Bien, vous nous captez à travers le monde sur Équilibre Télévision. Nous recevons pour vous le pasteur David. Et je crois que il s'exprime librement, les débats restent ouverts, à vous de juger, à vous d'y mettre des commentaires. Je crois que ça nous fera énormément du bien. Il a épinglé plusieurs matières. Nous devons être vigilants dans la pratique, dans la maïe, dans la mungwa, dans la mafuta, parce qu'il y a des esprits qui se cachent derrière ces histoires. Mais la pratique peut aux alliés divine, il y a bien positif pezali papa. Effectivement, to koki ko nier ni sauter. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties et examinez toutes choses, abstenez-vous de toute substance de mal, prenez ce qui est bon. Veut dire il y a des choses qui sont bonnes à l'église, to koki ko mépriser ni sauter. To ça va tout ça la nzambe ni so baza mabe. To ça la nzambe ni so baza bien. Je parlais de discernement des esprits qui va te pousser à savoir qui est celui qui est en train de pouvoir parler avec toi. Veut dire qu'on dit ma prophète et nous c'était tous les jours. Souvent les gens derrière aujourd'hui les gens confondent. Qu'on constate que Mutupo monaye gaza prophète foyer abandonné. Je vois tata moi si là telle chose il a fait telle chose dans ta vie et qu'il a craché au latin singlé à pembe et tout. Non, un prophète est celui qui est en train de pouvoir parler de la part de Dieu. C'est un prophète. L'ainsi dit l'Éternel. Donc, de la même manière que je suis en train de pouvoir faire ici avec toi, je suis en train de pouvoir parler de la part de Dieu. Donc, je n'ai pas dit qu'il y a prophète de Dieu. Ils ont dépendu de la moutarde. Non, celui-là, c'est un prophète de Dieu. Mais peut-être que tu es un prophète. Tu es un prophète. Non. Mais cette nuance-là, les gens doivent cerner cette différence-là. Veut dire, il y a ce qu'on appelle aussi les dons prophétiques. Donc, veut dire, tout celui qui parle de la part de Dieu, il a hérité ce qu'on appelle le don prophétique. Mais il y a aussi des gens qui ont hérité ce qu'on appelle les ministères prophétiques. Oui, comme ça, par exemple, le lendo, anano, il a même si on met son mot. Là-bas aussi, il y a à boire et à manger. Alors, au Pengeli, comme à Jérusalem, Awa, êtes-vous d'accord qu'une Kamba est la nouvelle Jérusalem? Comme on les qualifie, comme on l'appelle la nouvelle Jérusalem, ils ont un Kamba, cité un Kamba. Jérémie, il faut faire attention. L'église qui est la référence pour tous les chrétiens, c'est l'église de Jérusalem. Et Jésus a dit, je n'habite plus jamais dans tous ces endroits dont a été fait par les mains des hommes. Mais j'habite dans le cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ habite dans le cœur. Afin d'arrasus, on a des mères à batouter. Il faut faire attention. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, gardez vos cœurs de plus que toute autre chose. Car c'est de lui que vient la source de la vie. C'est dans ton cœur que tu... Voilà pourquoi le Saint-Esprit a choisi de pouvoir habiter le cœur. Il habite le cœur. Même quand tu es dans ton toilette, le Saint-Esprit est avec toi. Si seulement si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17 de la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses de devenir nouvelle. Veut dire, on incarne Saint-Esprit dans Katina Yo. Donc, comment on tambola na ye? Et si on a besoin d'agir, il va agir avec toi. Donc, il ne faut même pas parler de tous ces endroits-là. Donc, ça, ce sont des rapages ou amikis au côté de la monde spirituel. Donc, il faut recadrer ça. Il faut recadrer ça. Bon, dit Mara, puissance à Fumokimba, ou t'es pourquoi? Ben, moi, je. Vous ne les reconnaissez toujours pas tant que. Envoyé spécial à bas noir et bas africain, pourquoi? Négo Jérémie, Dieu agit d'une manière à une autre. Selon, au moins, la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 2. Verset 1 déjà, a sa définition, il y a foi. Mais au moins, verset 2 à Oloba, cette foi dont les anciens ont possédé, ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Je dis, si tu veux obtenir un témoignage favorable de la part de Dieu, tu dois avoir la foi. Et la Bible dit, les anciens ont possédé cette foi. Les anciens, dont, au moins, la Bible, les obéit à la Bible, sur première alliance, il y a ce qu'on appelle l'alliance adamique. Au moins, la deuxième alliance, il y a l'alliance abrahamique. Troisième alliance, alliance mosaïque. Il y a plusieurs alliances de la Bible. Veut dire, chaque homme de Dieu a marché avec Dieu. C'est l'alliance, on ne sait pas comment ça l'a naïe.
Lui, je le sais, il a à connaître peut-être alliance avec Sagina Nzambe. Moi, je ne suis pas là pour on a beta ramaramonaï. Lui, un jour, je ne sais pas, est-ce lui, je sais pas, chacun fait la mission qu'elle est. Mais il a existé avant vous, un grand homme de Dieu, Kimbangu. Nego Jérémy, dans cette histoire dédiée, il y a ce qu'on appelle la spécificité de la mission et la spécificité du message. Chacun reçoit sa mission de la part dédiée. Moi, je ne suis pas ici pour parler de ces genres. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais nous avons traité d'orgueil. Pour aujourd'hui, il même pas source. C'est ça l'histoire. Il faut faire attention aussi avec ces gens-là que tu as évoqués tout à l'heure. Parce qu'ils sont dans toutes les pratiques. Hein. Ils sont dans toutes les pratiques. Mon ami, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous sommes le seul de la terre. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Nous sommes la lumière. Mais tu verras ce genre de personnes-là, au moins, ils auront toujours ils habitent dans des maisons, je ne sais où. Maintenant, toi, tu vas aller courir derrière cette personne-là pour chercher la bénédiction. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a, il a reçu ce qu'il a. Maintenant, cet homme-là, que tu es en train de pouvoir courir derrière lui pour chercher la bénédiction, qu'est-ce qu'il peut te donner? Donner Bangunza Batarabasaki, Bamayaka. Ce qu'il a, les Bayaka là et toutes ces histoires-là. Et bon, tout le monde dit, Jérémy. Transmettre mon tout bénédiction. Ah, parce que c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. C'est biblique, c'est spirituel. La Bible dit que c'est le spirituel qui influence le physique. Ouais. Je veux dire, tata, nous avons dit, tu ne peux recevoir que ce que ton père a. Tata, Ondawana, Batigana, Poudre. C'est un peu ça. Peut-être il reçoit des gens pour faire avec des émissions. Finalement, ce qui est place ouana. Finalement, yo po sukara na balolenge ouana. Bah, au kanga oti na ba Instagram, au longo la yibilamba. Ti, au moins que ça me pèse. Oh bah au gars y a pas un pamba, tu vois. Ces genres de personnes ils sont comme ça. Bah, ça tellement animé de l'orgueil que tu ne peux pas. Ils sont comme ça. Ouais. Voilà, clin d'œil à celui qu'on appelle les célèbres Dienzundu na Washington. Levé Joël Moulongeki na Birmingham, les Juifs noirs Joël Moulongeki. Très fort. Le jeune César, un homme très élégant. César, les Québécois depuis Canada, mon vieux César. Le roi de la sape, toujours chic, toujours propre, nous sommes de cœur avec toi. Merci à Doucouré l'immortel, Doucouré immorta, l'incontournable, et merci à sa femme, maman Gigi Kintumba, depuis Berne, en Suisse-Irlande. Papa Philippe Kabouikou, na Fribourg, un bon papa. Papa Philippe Kabouikou, notre conseiller. Et merci à mon vieux maître Siza Souka, ma puissance amie Kili. Claude Bill en Atlanta, Féroce Foutila de Bundes, mais également merci à mon vieux, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, à association main dans la main, depuis la ville Fontaine, mais également à travers toute la France. On est de cœur avec vous, maman Claudine Louyeye, merci pour ton soutien. Et depuis Kinshasa, maman Claudine Louyeye. Voilà, continuons avec l'homme de Dieu, le pasteur David. C'est vrai, au épinglé, Basijé Bélé, ça fait polémique, ça fait débat. Mais yo yamba, Seigneur, depuis Anénini, est-ce que c'est vrai, comme nous sommes en train d'entendre maintenant, on nous fait savoir que l'enfer n'existe pas. L'Église romaine l'a confirmé, les papes, naba catholique, balobi, que l'enfer n'existe pas. Adam et Ève aussi n'ont jamais existé. Je ne sais pas si vous avez un cours biblique ou un enseignement ou na Moussa ou Aliko Sala. Mais d'abord, quelle est votre réaction? Est-ce que l'enfer existe réellement? Dès qu'on jure, Jérémy, la Bible dit Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Mais il faut faire attention. C'est Dieu qui est Dieu de l'ordre, Jésus-Christ, comme la deuxième personne de la Trinité. Dans la première personne, lui, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. La deuxième personne de la Trinité, dont Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, pouvait apporter la chair humaine pour descendre sur la terre, pour racheter l'homme cette fois-là. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce Jésus-Christ-là, comme le Dieu de l'ordre, ne pouvait pas, à Botama, 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 à
et abotami sika ba boko la babibole. Faut faire attention, ce n'était pas de l'ordre. Mais au finish de la mission, la Bible dit son nom a été souverainement élevé au point que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent. Veut dire dans toutes ces histoires, il y a à boire et à manger. Et il faut faire attention, Maramwanzam, il faut que tu aies un bébé. Je l'ai dit tout à l'heure que chaque homme de Dieu a la spécificité de la mission que le Seigneur lui donne. Vous verriez, la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Il habitait dans le désert. Mais dit, quand tu veux vivre Jésus-Christ, il faut passer par les déserts. La Bible dit, celui-ci est la voix de celui qui crie dans le désert. Mais dit, tout le monde devait passer dans le désert pour se faire baptiser, pour voir Jésus-Christ. Mais dit, il faut faire attention. Est-ce que c'était de l'ordre? Maramwanzambe, c'est la foi. Maramwanzambe, c'est d'abord la foi. Maramwanzambe va réfléchir ça en haut et Maramwanzambe va réfléchir ça en haut. La Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Veut dire, tu dois croire à ce que tu as entendu. Voilà pourquoi les Écritures nous disent « Heureux celui qui a cru sans avoir vu. » Hosanna. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Hosanna. Hosanna. Voilà, mais au répondre en gai, na ba façon un peu diverse, au terre en église, bandima au talabiso, est-ce que l'eau existe? Est-ce qu'en faire pesali? Ou bien tout doit se limiter à Wakaka. To koufi et esprit kandeki. Ndeko Jérémy, que le testament a son influence, son impact, si la mort du testataire a été constatée. Voilà pourquoi on devait parler de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ devait passer 3 jours sous la terre pour aller prendre la clé du séjour de mort. La Bible dit alors qu'il pouvait ressusciter. À ressusciter na bakufi. Voilà pourquoi j'ai donné cette critique et les testaments ont son influence si la mort du testataire a été constatée. Veut dire moto akufaka c'est quoi? Voilà pourquoi il pouvait ressusciter au troisième jour. Or le chiffre 3 est un chiffre haut et mokoloye sa sala babengi ba liminaire éclairage à mokili. Voilà pourquoi la Bible dit que cette lumière a surgi dans le ténèbre et les ténèbres l'ont rejeté. Veut dire c'est ça ma question. Maramwanzambe, je te parlais de la foi. Ils ont dépendre de la croyance en moto. Moi ici, je voulais te dire tout simplement que je suis en train de pouvoir parler de la foi. Les enfants de Dieu connaissent. Donc, je parlais de Jésus-Christ. Je t'ai dit que Maramwanzambe, Zarao, Babengara, je t'ai toujours dit que Ndeko Jérémy, on parle de ce qu'on appelle le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole de Dieu. Le rhéma, c'est la révélation. La Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est péri faute de connaissance. Mais dit, tu dois avoir la connaissance. La connaissance de Jésus-Christ, c'est par la révélation. La révélation dont pouvait hériter Pierre. La Bible dit, il a dit sur Pierre. Pierre pouvait dire que tu es le fils du Très-Haut. Et il a dit sur Pierre, Pierre, ce qui est sorti de ta bouche, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Maramwanzambe, c'est le spirituel. Veut dire, c'est la révélation. Veut dire, voilà pourquoi tu dois demeurer dans l'église et vivre dans cette révélation. Voilà pourquoi que quand un homme de Dieu est en train de pouvoir prêcher, chacun reçoit la révélation de sa manière. De la même manière que les gens sont en train de pouvoir nous suivre maintenant. Veut dire, ces gens-là trouvent de la révélation. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de plusieurs doctrines, parce que les gens ne comprennent pas, ils sont dans la perdition. Plusieurs doctrines, mais l'église romaine aussi, peut s'y faire vers un mariage homosexuel. Hein. Il faut tout adopter nos frères homosexuels, ils sont des enfants de Dieu et tout ça. Effectivement, Ndeko Jérémy, je t'ai dit que le monde, le diable a tellement risé que tu ne peux pas. Nous faisons toutes choses par la foi. Nous croyons tout simplement. Voilà pourquoi je t'ai évoqué cette écriture. Non, heureux celui qui a crié sans avoir vie. Biso Zarabon, les enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Nous sommes fous de Jésus. Les fous de Jésus, nous croyons. La forme physique de Jésus-Christ ne se connaît peut-être pas. Mais nous connaissons cette forme-là spirituellement. Dieu est celui qui vit dans le visible, mais visible par la foi. Donc c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, il y aura toutes sortes de doctrines. Et Robima, il faut faire attention, je parlais de discernement des esprits. Donc, il faut aller prier dans la prière, la doctrine est belée. Le diable a tellement risé que la Bible dit alors qu'il avait déjà appris que Jésus-Christ devait naître.
naba prophétie au épesa maka naba Isaïe naba Néhémie dont un certain Jésus-Christ devait naître pour yako délivrer Israël. Qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a commencé à contrôler. Diable a tellement organisé à l'ingara vie à contrôle makasi. Il sera yo ki ka prédiction. Mutu moko boye venir aux alabo, il commence à contrôler. Que mutu moko obota mara quartier on a venu un tel. Il commence à faire des contrôles, c'est chef d'avenir, chef de quartier. Na yé, ya monde na yé bondoki. Mais biso bana na nzambe to au moins na l'Ancien Testament na ba livre prophétique. Ils ont appris qu'un certain Jésus-Christ viendra pour délivrer Israël. Ils ont tout simplement crié. Mais au moins na ke la Bible dit quand Jésus-Christ pouvait naître. Ba mage ba mon étoile. Ils sont venus adorer. Mais alors que les rois devaient faire recours à des sacrificateurs, des sacrificateurs, il fallait pas faire le livre. Pas faire le rouleau pour là-bas que l'occasion de vérifier. Mais bah moi je suis bah mon ami. Mais il est tellement risé à l'ingamaramba contrôle. Il est comme ça, ils ont un mot, ils ont un mot bon. Il aime le contrôle, donc c'est un peu ça. Ouais. Le diable aime le contrôle, vie a suivi. Ozolande la moutou, est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'il doit avoir des enfants? Il travaille à bloquer finances, à bloquer étoile. Ouais, il est comme ça. C'est ça sa mission. Nous, les enfants de Dieu, nous avons réussi la mission de pouvoir aller dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. De la même manière que le diable a réussi la mission de pouvoir aller dépeupler le camp de Dieu pour peupler son camp. Donc, faut faire attention avec tous ces gens-là. La Bible dit, boké banabatoual, ce sont les loups dévoreurs. Balata balati ba soutani, ba changer ba voix na bango, ba voix comme une roi féminine. Mais ce sont des loups dévoreurs. Faut faire attention avec ces gens-là. Voilà pourquoi ils sont dans toutes les pratiques, dans le pédérasme, dans le lesbianisme. Donc, ils sont dans toutes ces choses-là. Voilà. Donc, le monde spirituel, soyez prudents, les enfants de Dieu. Voilà, ça c'est très bien. Merci pour ces révélations, pasteur David. Mais on va chiter progressivement. Le solopé à consécration. On a remarqué, génération et le lot. Boza ba serviteur ou boleki na consécration. Donc, boza consacrité. Les arrières aux huit révélations, nandoto, songe, moroboué, pour partir créer l'église. Ce qui crée aussi beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes dans milieu ecclésiastique. La Bible a dit chacun sera jugé selon ses œuvres. Je remets dans la habité Batouana Bapel Nabango Bazorandeni parce que quand Dieu t'appelle, pourquoi on a un niveau que tu commences à faire des émissions comme ça, bah, micro et bimi, caméraman il est là, journaliste il est là, les gens sont là, les gens nous écoutent de partout dans le monde. Je dis, c'est un travail d'abord qui se passe dans le spirituel. Les enfants de Dieu connaissent pour arriver jusqu'à cette dimension. Le Seigneur doit te travailler, il doit te travailler, sinon tu vivras ce qu'on appelle le poids spirituel. Et au peser les colonnes, tu n'arriveras même pas à toutes ces choses-là. Donc, le poids spirituel. Donc, je ne sais comment est-ce qu'ils font cela. Moi je connais le bateau peut babinzamba benga bango, ils connaissent ce qu'on appelle le poids spirituel. Kosomba cher na église, kosomba ba micro na église, kosomba ba kiti, ils connaissent comment ça coûte toutes ces choses là pour avoir toutes ces choses là. Sorozano na nzambe te, oroza na mbongo na yo peut-être tu oza mo mbongo zui quelque part, tu peux aller acheter toutes ces choses là. Mais quand tu as fait alliance avec Jésus-Christ et que ce n'est pas encore le temps, tu vivras ce qu'on appelle le poids spirituel. O mona biloko anati. A tous ça n'embongo na maboko, auquel na victoire, auquel na ville, qu'on soit micro, tu ne le verras pas. Misuno et mon angote. Bato batambo la nanza me connaissent ça. Tu vivras ce qu'on appelle le poids spirituel. Veux dire, ça dimension par dimension. Voilà pourquoi je parlais de trois dimensions, trois choses qui nous met en alliance avec le monde spirituel. Et je parlais aussi la chose la plus importante dont je vais marteler encore, le sacrifice. Le sacrifice a un important que tu ne peux pas. Nous avons aussi longtemps qu'à ce moment où il faut ça, il faut que sacrifice. Védi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que nous sommes tous au PC en Zambé. C'est alors que le Seigneur va t'amener dans une certaine dimension. Peut-être que aux Ali, voilà pourquoi mon abattoirab Abraham a dit sacrifier son fils unique. Il a sacrifié le fils de la promesse, Isaac. Au moins la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Veut dire dans le monde spirituel avec Dieu tu ne peux être élevé si tu ne fais pas des sacrifices. Même en rapport à ça la mission je fais des sacrifices na sala pe ba sacrifice ya makasi na nzambe. Je ne peux te les citer bato ba yebinga ba yebi ba bato peut-être ba koto yanga ba yebi ba dimension ba sacrifice na sala. Déjà bato ba sala nzambe ba yebi pona sala da ba mission boy ba yebi nomba ba ngombo na matapo des gens pona ba niveau. Ba yebi ba ko sala ba analyse ba yebi. Est-ce que ba ngomba pe influence ça?
Non, je parle de la révélation. Quand je parle comme ça, les gens qui nous suivent doivent. Bah, quand t'as la révélation, bah, c'est limité dans ma rambonga dans le bâti. Donc, des sacrifices, il y a plusieurs sacrifices. Au cause d'un zambaro, c'est un MC. Bon, et le roman aux aranango très important dans la vie. Yo, kabelanga. Net si dans la vie, nanga peut-être. Net si un jour dans la vie, nanga, je na kabela pe nzambelo. Peut-être je devine de ma maison. Je peux donner un petit exemple. La vie dans laquelle j'ai confié, j'ai sacrifié ma maison. Et puis, dans le quartier, j'ai mis un peu de temps. Donc, on a un petit exemple. Sur la tu ne peux pas. Parce que ta maison, c'est-à-dire que tu peux être pasteur, tu peux être une église. C'est. Non, je vais. Il y a plusieurs formes de faire des sacrifices. Il y a plusieurs formes de faire des sacrifices. Il y a plusieurs formes de faire des sacrifices. Donc, c'est un peu ça. Bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais il y a des gens qui nous ont suivis, qui sont touchés, qui peuvent vous recontacter dans les prochains jours. On peut savoir un numéro de téléphone et aussi au mega go réconforter bande go bazan ba problème ba difficulté bazan bitumba na ba lien famille blocage baza attaqué na ba mauvais songe alors ko kutana yo pasteur David ko zamsu liba ko malam po na bango o tenir micro o mega sona bande ko Ozana, je le disais comme l'a dit Ndeko Jérémy, je suis le pasteur David Sansi, visionneur à l'église Mission Évangélique Béret Ozana Ipan quartier Sangamba précisément. Donc ici, je vous donne mon numéro de téléphone, et les 081-57-37-571. Pour ceux qui nous suivent, dans l'Ibanda Mboka, la diaspora, plus 243-81-57-37-571. Tu as besoin d'une orientation spirituelle. D'une manière à une autre, tu peux m'appeler par ces numéros, je vais t'orienter. Donc, Nabato Bazan n'a pas de problème. Je voulais tout simplement te dire à ces instants que Dieu est capable de tout. Mais là, au moins, c'est impossible. Peut-être que tu as perdu quelque chose de fort. Peut-être que tu es déçu, a été déçu. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le deuxième et le dernier Adam. Donc voilà pourquoi il pouvait restaurer les temples de Jérusalem. Si cette fois-là, on pouvait dire à Moïse que vous me feriez les tabernacles d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. Peut-être ce qui tabernacle cette fois-là, moi, Mbebe Kotaki. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait donner son propre sang pour nous racheter. Et je voulais te dire, c'est à ces instants que Jésus-Christ est capable de faire toutes choses pour toi. Donne à Jésus-Christ ta vie et tu vivras ce qu'on appelle la restauration. Donc, c'est ce que je pouvais dire encore à cet instant. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est bien. Alors, un mot par rapport à la conversion. Puis, il y a Ndigonabiso Kachera Munene et Dingo Motonangenge. Ou à Kitsika Bilo René Pa et Papa Simo Kimbango Kiangani. Si, il doit rester dans une église. Mon ami Jérémy, je t'ai parlé de l'église. L'église, ça parle. L'église est arrière à Jésus-Christ. Il a dit je bâtirai mon église. L'église est arrière à Jésus-Christ. Si là où il, soi-disant, il s'est converti, c'est une bonne église, qu'il reste dans l'église. Peut-être qu'il laisse de penser, peut-être dans la bande, non, mais non, Aza a un grand fétiché. Il y a un bon niveau, il y a la paix saisie. Il y a un néo apostolique, il y a un néo apostolique, il y a un néo apostolique, il y a un néo apostolique. Je t'ai parlé du brisement de Jérémy. Il doit rester dans sa maison. Il y a un programme de l'église. Peut-être mercredi, vendredi et le dimanche. Il y a un programme d'église. Il y a une Bible qui est le livre de la prophétie par excellence. Il reste dans sa maison. La conversion, c'est la publicité. Les gens comme David et Joseph, ils devaient passer par ce qu'on appelle le brisement. Travail. Ce qui nous a bien dit, tu dois rester dans le secret. Pour ça, la moussala katina yo. Tu vois, je t'ai évoqué tout à l'heure de David et de Joseph. Il fallait pas les canabas processus. Joseph fallait à la vendre par sa famille, à se retrouver dans l'iboula madianite, à vendre dans la potifak, bako, c'est les makambou. Il devait vivre tout ce processus-là pour un jour nous avons ramené dans le trône.
Donc moi na nzambe nyo salega na croix. So moni mutabonga misiko yo mbala moko ekomi ba makelele, il faut faire attention dans toutes ces choses là, il y a à boire et à manger. De la même manière, je vis, il y avait une fille peut-être, il était soi-disant moi na ngwa zaki papa na ngwa pasteur. Après a komi o yembe la la langa nzembo moko boya la tsaka batu ba jipa mikuse mikuse. Azora bango na bazaki mi balé bazaki ba chantre chrétienne à côté bango na musique na ye monde ya mukili. Après petite la fille là, elle va beta pas tout mon moyen bimo aba mutuasi bisou te lo bara vérité mais j'ai 30 après cette femme là aujourd'hui peut-être elle s'est convertie aujourd'hui normalement on a très rapidement comment les canaba étant doiké comme ça ma mission ngana ebité nzamba benga bango ndeni je te parlais tout à l'heure du brisement nzamba brisaka mutu tu dois babiloko mon araba écran ba caméra ba tuba ya o ezabiloko mon je te parlais du point spirituel. Avant les gens qui ont besoin de travailler en secret, ils ont besoin de les lots directement, tu commences à passer dans la banzela. Ils ont besoin de les lots, ils ont besoin de les lots, ils ont besoin de les lots, faut faire attention. Diable n'est pas à salaire à Paris, à salaire à soi-disant. Moutoumora bongoli moutema, or, ils ont pion aïe. Babenga bongo, ce sont des espions, il y a diable. Faut faire attention, donc il y a à boire et à manger. Il y a une conversion, ex danseuse, il y a un pasteur, il y a un lot. Il y a un prophète, il y a un ex danseuse. Na orchestre pe mineni na ba wingé na ba quartier latin et puis azo le gana bible au nom nzambe m'a dit Dieu m'a dit mon la bible obete la biso d'une femme comme Marie de Magdala. C'était une femme qui était pite, la bible dit cette femme là pouvait répandre le parfum des nards de grand prix qui coûtait plus de 300 deniers. Donc au moins la bible web sa biso tant Jésus-Christ a ça la multiplication de pain ba disciple ba c'est web sa bateau ba relia nini ba disciple ba même tant on a 200 deniers te relier sa bateau on a te ba évalua plus de 4000 personnes donc autour de 15000 personnes na 200 deniers mais la bible dit le parfum de nard dont a répandu Marie de Magdala coûtait 300 deniers donc on va relier la des plus de 20000 personnes. Vous voyez cette femme là. La femme là, même la Bible est de la femme samaritaine. Au moins que cette femme là, la Bible nous dit que cette femme là pouvait aller répondre, parler de la part de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ devait accorder aux paroles parole de connaissance. Et si tu as connu cinq hommes, la Bible dit que Abimi a pendu sa robe dans Koutani dans Mobali dans Ngai Alibala. Elle parlait de Jésus-Christ, donc je crois à la conversion, mais il faut faire attention, parce que je te parlais, je dis le monde spirituel, je parlais de trois éléments, éléments forts, les sacrifices. Et il y a beaucoup de sacrifices, et ça, la marana banzela, basi wana, monde spirituel, il utilisera ba fille wana mingi pour na sacrifice, na bango, baza ba temple ya makasi. Voilà pourquoi Ndeko Jérémy, quand tu reçois Ndeko na basi, il faut zarapé na ba. Écoute, zakate, tu vois, vous kendara précipitamment. Donc, faut faire attention. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Restons ensemble pour de vrai. C'était l'homme de Dieu, pasteur David. Donc, son numéro est affiché au bas de vos écrans pour tout contact. Je crois que ça sera les bienvenus. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement, le vieux Bobo Batombo et sa femme Madame Lamy Bekantoy à Londres. Le vieux Bobo Batombo, donc nous vous saluons respectueusement. Merci au docteur Simon Mundemba depuis la Zambie, un médecin très compétent, il est congolais, docteur Simon Mundemba, médecin des districts na Zambie, donc nous vous saluons respectueusement, Dukure l'immortel. Mama Gigi Kintumba, Décris Sekonde, un bon tonton à Paris, Mapoline Chako. Et merci à Joël Moulongé qui, tout le monde, Bouzé Bélé, les célèbres Dienzundu. Restons ensemble pour de vrai, c'était Jérémy Lumba, les renards du désert. Bye bye.